mélodie est dédiée à Nazan, le pitozer. Oula! Ça ici, mon amour. Mon amour aussi, mon amour là. Mon amour, ça ici, mon amour. La première grande sortie officielle de l'association Adjé Babi, présidée par Martin Kohn, le samedi 26 novembre 2016, de 21h à l'aube, au Moulin Bassé, fut un grand succès. Cette grande soirée dansante a été parrainée par Zalcinto, le bulldozer, rugbyman, producteur et promoteur d'artistes, et avec pour présentateur le charismatique Seyanfon Gibo. Le but de ce gala était de trouver les fonds pour expédier des douaniers un conteneur de 40 pieds de matériel médical destiné au centre de santé de la région du Guémois-du-Cavali, situé dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Cette première sortie fut une réussite de par les artistes présents tels que Teza Tobias, l'orchestre Allega System, Léao de Corée, Mikaes, Aziza de Natou, d'une part, et d'autre part, de par ses invités de marque. Souhaitons que la deuxième sortie d'Adjé Babi, prévue en 2017, soit encore une grande réussite pour le bonheur des régions du Cavalier du Kémo. Immortalisation des images, Fiasco TV. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande cérémonie organisée par l'association Adjé Babi. Adjé Babi qui veut dire à l'origine les frères et sœurs paternaux consanguins, qui veut dire simplement les frères et sœurs qui appartiennent au même père. Ce soir, cette conception a été transcendée. De Taï à Kubi, en passant par Bangolo, Djokwe, Fakobi, Diglo, tout le bleu, Blolekin, elles ont décidé de conjuguer les énergies au sein d'une association pour créer une chaîne de solidarité qu'on appelle Adjé Babi. Adjé Babi, depuis un certain moment, depuis 6 ans créée, rassemble à son sein plus de 46 personnes, 46 membres. Si vous voyez toutes les femmes du comité d'organisation qui est en uniforme, ce sont les membres de Adjé Babi. Simplement ça, je souhaiterais qu'on les applaudisse très très fort déjà dans un premier temps. L'objet de cette soirée, c'est de permettre, vous savez, la région de l'Ouest, précisément, à l'espace ouest, nous avons beaucoup souffert. Et beaucoup d'associations, beaucoup d'ONG sont sur le terrain en train d'apporter un apport substantiel pour répondre aux attentes de nos parents qui ont souffert des affres depuis 2002 jusqu'à nos jours. Et l'association Adjé Babi a décidé, à travers ses connaissances, ses contacts, à mobiliser un conteneur de 40 pieds de matériel médical pour acheminer à l'ouest de la Côte d'Ivoire, une manière pour elle d'apporter sa pierre à l'édifice. Mesdames et messieurs, Adjé Babi, on les applaudit encore une fois tous les soirs. Aussi, toutes les associations, tous nos invités qui sont là ce soir, nous vous demandons avec beaucoup d'insistance d'apporter votre contribution pour que ce conteneur de 40 pieds soit acheminé en Côte d'Ivoire. Donc ce soir, il faudrait que vous fassiez parler votre cœur et la main sur le cœur pour aider l'association Adjé Babi qui a besoin de votre solidarité. Mesdames et messieurs, ce soir nous serons animés par 2 orchestres à l'égard système d'Agnamon qui est venu de la Côte d'Ivoire pour vous accompagner. Nous serons en live. Et Nounan System, dirigé par l'une des plus belles voix de notre région,
à l'Hymno Damis. Et bien entendu, quelques artistes qui seront là, qui sont venus, qui vont accompagner cette soirée, agrémenter agréablement cette cérémonie. Évidemment, votre serviteur Antoine Seydi Bovo, le micro d'or qui tiendra en haleine cette cérémonie jusqu'à l'aube. Pour l'instant, nous sommes au début de cette cérémonie. Si le DJ est prêt, le premier artiste qui passera maintenant, il s'appelle Tesa Tobias. On l'applaudit très très fort. Tesa Tobias. Ce soir, et celui qui arrive maintenant, nous sommes dans la région, en pays pété. Manifestement, ce soir, ils ont fait le déplacement pour accompagner Adjibadi. Et c'est une très bonne solidarité. Ça vous prouve que nous appartenons tous au même groupe qu'on appelle le groupe Crew, venu de l'autre côté du Cavalier. C'est l'enfant de Soubré, l'infanterie de Soubré, monsieur Léon de Corée, s'il est prêt, la piste. Merci.
Thank you.
production de promoteurs de spectacles en Europe et une même association qui a regroupé dans une association qui plus permet de fédérer et de conjuguer les énergies pour pouvoir réguler les spectacles à Paris. Et le président de ce soir, notre parrain évidemment, M. Zaï Sito. On l'applaudit très très fort. Dans sa délégation, évidemment, il faut préciser, nous avons beaucoup de présidents. C'est une délégation très très forte de présidents. Nous avons le président Gamoué, le président Ewé en France. Nous avons aussi un de jeunes producteurs de référence de Raymond, désormais également, qui est connu dans notre communauté, qu'on appelle Niaï Flexi, juste à la droite de M. André Gamoué. Sans compter son homme de main, Marco. La sœur du grand producteur, qui est le président des producteurs désormais en France, c'est pas Clémence, elle est très très connue. Elle est juste à la droite de Madame Dossot. Madame Dossot, d'ailleurs, qui est une dame qui, par son efficacité, par sa persévérance dans la promotion culturelle, elle est magnifiquement habillée aujourd'hui, ce soir, comme d'habitude, Madame Juliette Bozon-Dosso. Il faut l'applaudir très très fort. Et puis, on a l'impression qu'on allait monter les marches des Cannes. Et juste à la gauche de notre parrain de ce soir, une immensité célébrissime féminine dans son élégance. On peut l'applaudir, les bébés. Les bébés. Et puis, je me souviens, il n'y a même pas très très longtemps, nous avons participé à une manifestation culturelle qui a porté, en tout cas, notre culture à un sommet, à un niveau de culturalité inestimable. Et nous avons pu voir Louis Martin, s'il vous plaît, avec la musique estimable, du très très fort. Et puis, Bazo, on l'appelle président Bazo, il a été président des Ivoiriens, de la Côte d'Ivoire, il est aussi président de la communauté Ouai au Maroc. Aujourd'hui, il est toujours président, on applaudit notre président Bazo. Voilà la forte délégation qui a accompagné notre parrain Zaï Sito, il est plus à présenter, c'est un homme de grand cœur qui a fait beaucoup pour les artistes et qui continue d'en faire. Tous les artistes aujourd'hui qui sont sur le marché, c'est grâce à Zaï Sito. Si vous avez des artistes à faire venir en France, il a aujourd'hui l'agrément pour cela. Zaï Sito est une référence à ne pas négliger. Dans notre communauté, c'est l'une des pièces maîtresses en matière de promotion culturelle. Mesdames et messieurs, Zaï Sito, la redit très très fort. Guillet, nous allons continuer. Si notre comité d'organisation qui assure la prestation des artistes est là. Nous avons eu tout à l'heure Tessa Tobias, Léao, et puis l'entrée de notre parrain. Elle est prête? Ah oui. Elle aussi, il n'y a pas très très longtemps dans cette salle, quand j'ai animé l'association des artistes ivoiriens résidant en France de l'ouest de la Côte d'Ivoire, qu'on appelle la MIOF, elle était là, elle a chanté. Aziza Limatou, mesdames et messieurs, c'est une belle femme, très élégante, et puis elle a une belle prestance sur scène. Mesdames et messieurs, l'applaudir, Aziza Limatou, merci. Thank you.
Merci beaucoup. Supplémentaire qui vient complémenter une première, elle est toujours la bienvenue. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour nos enfants et nos mamans. Mesdames et messieurs, je veux dire que Adjibadi compte beaucoup sur vous ce soir. Allez, le dernier, ça, on l'applaudit. Allez, viens. Allez, viens. C'est grâce à ce grand artiste-là de chez nous que cet orchestre est venu. Voilà, c'est son travail. Il a appelé ses collaborateurs qui vont nous entretenir en attendant que les artistes en prépa qui viennent. Alino, Oh yeah.
Antoine Bazot, connaissant Martine Houé, connaissant Inos Bonrou, je crois que le tout est fait. Ils sont venus avec un gros chèque. Ne t'inquiète pas, c'est pas le nom qui importe, mais c'est l'esprit qualitatif qui est là ce soir. Et nous sommes très heureux parce que nous sommes fiers de ces références de notre communauté. Je veux dire simplement que celle qui va arriver tout à l'heure est le symbole de toute la culture ouais. Et on l'appelle la reine du peuple ouais. De Taï à Kubli, en passant par Blomeka, tout le peuple, Diblo, Djokwe, Fakobli, elle occupe cet espace culturel. Vous savez, le peuple ouais est un peuple riche en culture. Nous avons 182 rythmes répertoriés au patrimoine culturel de l'UNESCO. Et parmi ces 180 rythmes, elle a choisi le Banti. Banti qui est une chanson de réjouissance. Une chanson lorsque l'Ogla, que vous appelez communément dans votre langage, parce que ça n'existe pas chez nous, le masque. Chez nous, c'est le glas. C'est le glas. Quand les glas sortent, lorsque nous faisons le festi-glas, c'est justement cette danse-là que nous exécutons dans nos cérémonies, qu'on appelle le banti. Et celle qui arrive tout à l'heure, elle symbolise toute la culturalité ouais. Elle est le symbole de notre culture. Et ça donne beaucoup de fierté, nous le disons. Parce qu'elle nous honore. Elle a eu l'occasion de représenter le patrimoine ouais à l'UNESCO. Elle a la voix la plus ressemblante de notre culture. Elle est prestante, elle est élégante, elle est belle. C'est toute l'africanité qui s'exprime à Thank you.
Grâce à ce message de Maman Martine,
Aujourd'hui, elle a subi une opération chirurgicale. Depuis Orléans, elle a fait des déplacements parce qu'elle a voulu être témoin que ne se passe pas à raconter cette histoire, cette cérémonie. Mesdames et messieurs. Et grâce, évidemment, celui qui a à cœur la promotion culturelle, dont j'ai eu l'occasion tout à l'heure de vanter ses qualités et ses références. Zaïcito, grâce à toi, ma mère Ville d'Orléans, sur, avec ses cannes, elle a tenu à assister, être témoin de cette cérémonie. Elle a ce soir la présidente Martine. On applaudit très très fort. Je n'entends pas. On fait des bruits pour elle. On fait des bruits. On fait des bruits. On fait des bruits. Merci beaucoup, maman. Je pense que le peuple web, c'est l'un des peuples, comme disait l'autre, vous trouvez l'hospitalité et l'humanisme, il faut aller à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et c'est un pays où on retrouve cela. Ce sont les valeurs cardinales que nos parents nous ont transmises de génération en génération. Et quel que soit ce que nous avons subi, comme génocide, comme souffrance, nous n'avons pas changé de comportement. On dit malgré la brise. La braise souffre sous la cendre, parce qu'on appelle ça Nessemou. Nessemou, elle ne peut loin de s'éteindre jamais. Jamais, jamais, jamais. Voilà. Nous allons donner le micro à notre sœur, Edwige. La bonne parole de circonstance pour cette cérémonie. Sur son côté droit, évidemment, Mesmer Diri, qu'on a l'occasion tout à l'heure de présenter, et Didier. Mesdames, messieurs, chers invités, amis et connaissances, bonsoir. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette grande cérémonie pour communier avec vous. L'association Aïe Badi est une association d'entraide. Entre ses membres, et un apport substantiel à nos parents qui ont été touchés par la différente crise à répétition depuis 2002. Jusqu'à ce jour, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, en pays ouest, aujourd'hui par nos démarches et à travers nos connaissances, nous avons pu obtenir et mobiliser un conteneur de matériel médical de 40 pieds qui doit être acheminé à l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous, membres de l'association Aïe Badi, sollicitons votre soutien pour nous aider à acheminer notre conteneur pour le bien-être de nos parents. Une manière pour nous d'apporter notre pierre à l'édifice. Nous comptons beaucoup sur votre aide et sur votre grande générosité. Merci, bonne fête et bonne soirée à tous. Est-ce que vous avez entendu quand même ce qu'elle a dit comme message? Est-ce que vous avez entendu, même si c'est vrai, vous avez entendu son message? Et ça, c'est bien ici, il commence à entendre. Merci beaucoup, on l'applaudit très très fort, Edwige. Le message, il est émouvant. Aujourd'hui, cette association a besoin de votre aide. Ils ont mobilisé un conteneur de 40 pieds du matériel médical, de bisturi, jusqu'à au lit médicalisé. Et dans notre département, dans nos régions, nous avons besoin de tout ceci. Ils ont réussi à l'avoir. Les chaises, les lits médicalisés, les fauteuils, les matelas, tout ce que vous voulez, tout ce qui participe à l'hospitalisation et aux soins médicaux de nos parents. À Djibadi, à 40 pieds, il faut l'acheminer en Côte d'Ivoire. Nous avons besoin non seulement de son transport qui est oscille entre 5 000 à 6 000 euros et son développement en Côte d'Ivoire
de 5 000 aussi également. Donc, grosso modo, nous avons besoin de 15 000 euros ce soir. Si vous êtes prêts, vous pouvez faire du bruit ce soir. Est-ce que vous êtes prêts? Ce que nous craignons, c'est pourquoi nous voulons assurer la totalité à destination. Nous pouvons assurer le transport jusqu'en Côte d'Ivoire. Mais une fois le compteur en Côte d'Ivoire, nos responsables politiques se font l'écho et font de la récupération. Adjebadi n'est pas dans cette logique et veut jusqu'à la destination en pays ouest. C'est pourquoi il doit avoir les moyens nécessaires. Assurer le transport et le développement en Côte d'Ivoire. Et je compte sur vous ce soir pour que cette cérémonie soit belle. Merci beaucoup. On applaudit très très fort. Adjebadi. Alino, je pense que vous aimez et je souhaiterais que mon reporter s'approche de la présidente, la coordinatrice de tout ce qui s'est passé ce soir. La présidente de Adjebadi, Madame Kouon Martine, on applaudit très très fort. Vice-président, c'est un homme qui est au moulin à la fois. C'est lui qui m'a sollicité, c'est lui qui a sollicité Alino, c'est lui aussi qui a coordonné la prestation de ces différents artistes, Guy Maximin, qu'on appelle souvent Mesmin. Guy Maximin. Et c'est lui qui est chargé de rédiger souvent les rapports, les procès-verbaux. Il est simple, il est discret, mais il a été très efficace ce soir, le secrétaire général, M. Taï Didier. Il est là ce soir. Si nous avons pu payer le présentateur d'Ibogo, nous avons pu assurer Alino, nous avons pu faire la prestation des artistes, payer cette salle, cantonner tout ce qu'il y a comme boisson et le service en salle, c'est grâce à l'argentière, la trésorière générale, Mme Baou Edwige, celle qui a fait le discours tout à l'heure. On a fait très très bon. Le service trésorière, Laura. 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 Vous savez, au sein d'une association, il y a toujours les mamans qui conseillent. Il y a maman Taou Antoinette. Elle est où? Maman Taou Antoinette. Maman Taou Antoinette. Elle aurait une photo de famille. Je l'ai dit déjà, son mari a quelques encablures de moi. Il a une tenue traditionnelle. Un blanc qui a été colonisé par une femme ivoirienne, à la précision, Madame Jeannette Gessley. Gillespie, elle est là. Son blanc est ivoirien. Il est moi-même, là il est assis juste à côté. Oui. Tia Catherine, maman Tia. Bouyaye José de Kepléan. Les membres, vous savez, Adjebadi a un bureau restreint, mais tous les membres sont actifs. Je veux parler de Bajen. Bajan. Ba Félicité. Bertelin Alain. Blé Fidèle. Bon plus chéri. José, Douo Yolande, Gavé Francine, Gouasséné Bella, Guy Blandine, Guy Françoise. Florence,
Kambo Sabine. Et puis, bon, celle qui arrive, elle ne peut pas bouger. Partout dans tous les événements où je la vois, elle est toujours à la porte. C'est elle qui veut gagner l'argent. C'est Kanya Léa. Et on l'applaudit très très fort. Kei Enoch. Kei Enoch. C'est le jeune qui est au bar. Celui qui nous donne la bulle à boire. Kofi Idi. Maë Christiane. Naïmina. J'ai déjà dit où la langue. Et puis, il est venu un élément très efficace qui représente un grand département. Donc, j'en suis fier parce que c'est mon beau, c'est mon neveu. Il est venu de très lointain, mais il est très intégré au sein de cette association à l'Ibérie. Monsieur Paul Jules, il est le favori. Monsieur Paul Jules. Voilà ici rassemblé l'ensemble de l'association à l'Ibérie. Salut.
single coûte pratiquement 0,5 € avec Clémence Zeba. Mesdames et messieurs, le temps de laisser un peu récupérer parce qu'il a fait une exécution en tout cas magistrale dans sa prestance et puis dans son élégance également. Zaycito, on l'applaudit très très fort. Zaycito, vous savez, c'est ça le peuple ouais. C'est ce qui nous anime, cette cohésion, cet esprit jovial. Chez nous, en pays ouais, quand on arrive, un étranger vient de l'extérieur, on lui donne à boire, on lui donne le logis. Il mange, il dort, c'est le lendemain de la nouvelle. Par opposition, j'ai les autres peuples. Ou à peine, je me le dis, d'où viens-tu? C'est ça la différence. Nous sommes un peuple hospitalier, fraternel, ouvert, altruiste. C'est le peuple ouais. Les Haïtinos symbolisent cela ce soir, mesdames et messieurs. On peut l'applaudir très très fort. Merci beaucoup. Il n'est que 2 h du matin, on a le temps. L'orchestre va jouer et ensuite, ça sera le droitier musical de notre DJ qui nous accompagne jusqu'à 6 h du matin. Mais je rappelle que ce CD, ce single, il est en vente dans la salle. Voyez, juste à côté, Clémence, c'est pas Clémence, merci. Alors nous allons donner la parole à notre cher frère, la beauté. Vous voyez la brillantine avec beaucoup de coloris. Et ça, c'est l'expression de l'élégance masculine. Alors Zaycito, merci beaucoup pour la politique très très fort. Zay. Est-ce que les ouais sont là? Est-ce que les ouais sont là? Est-ce que Adimadi est là? Est-ce que Adimadi est là? Merci les ouais. Est-ce que les ouais sont dans la salle? Je n'attends pas les gars, pourquoi? Est-ce que les ouais sont là? Alors qu'on est tous contents de se lever, on doit s'applaudir. Ben ouais, alors on applaudit trop fort parce que je suis ouais, les gars. On doit se savoir que nous sommes ouais, on doit applaudir trop fort. C'est ça le ouais. Le ouais cité, les gars. Les gens ont très fort. Est-ce que le ouais est là? Merci à Gibadi. Merci le papa. Merci la maman. Merci. Les amis, merci les petits frères et les grands frères qui sont fait un grand déplacement ce soir pour être là. Je vous dis vraiment merci. Est-ce que le ouais est fier de lui? C'est ça le ouais. Je n'ai pas de discours. Est-ce que la femme aime Zahir? Est-ce que la femme aime Zahir? C'est ça la vraie vérité, ok? Nous sommes là ce soir pour vraiment encourager nos mamans pour ce qu'elles veulent faire pour nous-mêmes en Afrique. Alors ensemble, avant de prendre la parole, je vais juste donner la parole à notre secrétaire. Je voulais demander à l'homme 1 aussi de nous rejoindre, s'il vous plaît. Bonsoir. Mike, il a un bravo. A vous idée. A vous idée. Bon, voilà, mon ébo Martin. Il va se voir qu'à des gigolo. Oui, papa Joe, d'ailleurs. A mon bas gigolo. Et Jama. Des moyens de pays, des mois bambou. On y doit avoir des moyens cavaliers. Des moyens cavaliers, à Jadou et Badido. Ma Jadou et Badina, pour que mon nez d'assaut au cavalier de moi, pour cavalier d'assaut de mon nez au moins. Alors c'est bien, je vois. Des yeux à dire. Bon, on va prendre le secrétaire général de maman des artistes ou ouais. Dehors des sites au moins. Au moins, à moi, à Gentou et Badi, désormais, à nous, à comment à you. Moi, je vais être Daniel d'ailleurs aussi. Mais on dit hier. Ah oui, c'est dit, sinon, on est à l'association Daniel Bosson.
Awe se di yo ma bone a di badi ke ba oye dudu e pa bo se e pa bo se da ba mo abu poin a che na si a fo menyo mo azi a do za bu e do do so do bu do mo ade na e se bo ka e pa bo se e pa bo se da bu de e yo da du da bu de e yo da du no we me be sa ja e mu so e be e ya che tu lu poti. Même en compté. Donc, tous ceux qui sont là qui ne comprennent pas le français, le ouais, donc je m'exprime en tant que secrétaire général des mamans des artistes ouais. C'est une association qui s'occupe uniquement des artistes, tout ce qui est de l'art. Et donc, sitôt, production, nous faisons partie intégralement de sitôt production. Pas que nous travaillons avec lui, mais c'est notre fils. Donc, tout ce qu'il fait, nous le suivons, nous l'accompagnons, travaillons ensemble. Merci. Toujours un vrai trouver. Ce soir encore, il offre 1000 euros à l'association Adipati. Merci. Merci, oui, c'est avec enthousiasme communicateur. Je reçois cette grosse enveloppe de 1000 euros qui est un symbole. Est-ce que ça, c'est tellement simple parce que ça, c'est le déjeuner de Zaïcito. Que ce soit, il a porté sur le côté social et nous sommes très heureux. On l'applaudit très très fort. Merci en tout cas à cette forte délégation, ce que vous avez fait, je sais que, et suis-moi d'ailleurs, j'ai une grosse enveloppe, mais j'attends, le propriétaire n'est pas encore arrivé. J'ai aussi 20 euros de Louis Martine, on l'applaudit s'il vous plaît. Travaillez un peu sur moi quand même, travaillez, et nous, bon, nous, bon, ça va, si réellement, voilà, c'est un nouveau système. Ça, c'est la Zaïmanie, ça, c'est la Zaïmanie. Merci beaucoup. Là, qui vient ici, un peu plus aussi, je suis là, je peux plus donner. Je complète. Thank you.
Asabo Jebu.